Hey, coucou les loulous, c'est tonton Tomic. Et voilà, épisode 10, la fin des temps. Est-ce que ce serait aussi la fin du jeu? Ce que je rappelle, on a récupéré un réacteur sur le vaisseau qui était censé, entre guillemets, venir nous aider. Et donc là, en plus, notre pote Black, il est mort. Allez, encore un Black qui se fait dessouder dans un jeu. Isaac, j'ai localisé la navette d'Amund. Quoi? Merde. On a un gros problème. Encore? Il manque toutes les données de navigation. Effacées. On devrait pouvoir les reconfigurer. Je cherche des disques de démarrage. J'ai pas d'accès aux portes d'ici, alors il te faut une clé de maintenance. Si tu trouves ces disques, je pense qu'on pourra remettre cette navette en état de marche. Bien, bien, bien. Nouvel objectif. Parfait. Rien à toper dans le coin. C'est clair à la bougie. Ah, rien du tout. Rien de planqué. Ah bah tiens. Ben voyons. D'ailleurs, j'en suis où dans mon inventaire? Voilà, c'est le bordel. Ah oui, on a le semi-conducteur diamant carrément. Je sais pas combien ça vaut ça, mais. Oh bah ça va au niveau aussi du placement. Ça gère. Niveau de l'énergie, ouais, c'est vrai que je peux m'en remettre. Tac tac tac. Utiliser. Alors, allez, c'est folle ambiance ici encore. Un coffre. Toujours de l'énergie plasma, je prends. Et encore. Encore. Bon, c'est que ça devrait défourailler sec dans le coin si on commence à nous nourrir comme ça. Ah, petite chanson. Et ben c'est cool, on a un truc de stock ici. Ça tombe très bien, je voulais faire de la place. Allez. On vend, on vend, on vend. Oh, 25 000 boules. Excellent. Stase, j'en ai deux, je les garde, allez. Énergie plasma aussi, je garde, mais énergie laser. On va commencer par le bas. Énergie méga PK, oui, je vends. Les lames des Cooper, oui. Combustible, oui. Balles d'assaut, oui. Et l'entrancheur. Oui. Il nous reste toute l'énergie plasma à don, c'est cool. On se rachète un petit peu des petits points de force. Pourquoi pas? C'est tout en bas. On peut s'en péter 3. Hein. On se limite. Ah, et parce que je pense, si ça se trouve, je vais peut-être avoir encore un. Parce que regardez l'inventaire. Pardon, ouais, on verra pas d'ici. Mais mon inventaire, ouais, il y a toute une ligne en fait de carrés que je peux pas utiliser. Donc est-ce qu'il y aura une nouvelle tenue? Ah, et je vais rester à 2 points pour l'instant. Parce que si d'un seul coup ils nous disent « Oh bah tiens, t'as une nouvelle tenue, mais t'as pas assez de thunes pour l'avoir », ça serait bien ballot. Ah là là. Oups là, il y a quelque chose sur le sol. Un message. Alors, unifié vers Dieu. Oula. À moins d'avoir été cryogénisé ces 200 dernières années, vous connaissez sans doute la religion la plus vite répandue dans l'histoire. L'unitologie engrange des sommes colossales, recrute les hommes les plus influents, pèse 78 milliards de dollars quand même. La bourse possède deux des plus grandes institutions terrestres. Finance, énergie. Ok. D'un simple culte de la personnalité, l'unitologie est devenue une religion établie, respectée. La plupart des gens connaissent les bases du mouvement. Il y a 211 ans, l'anthropologue Michael Altman prétend que le gouvernement terrestre cache la découverte d'un vestige prouvant l'existence d'une vie extraterrestre dans l'univers. Il l'appelle alors le monolithe. Le gouvernement dément formellement et tente de faire passer Altman pour un original. Pourtant, sa théorie fait rapidement plusieurs adeptes et sa mort mystérieuse va renforcer leur croyance. Ah, un martyr.
Selon les unitologues, le monolithe est la clé de la vie éternelle, d'une renaissance vers le paradis, à condition de mourir toutefois. Vers le paradis, j'ai des doutes, hein. Le gouvernement cacherait le monolithe quelque part, protégeant ses secrets. À travers l'espace, les unitologues louent leur martyr. Altman et attendent le jour où Dieu viendra leur apporter une nouvelle vie. Rien de grave en apparence, mais il existe quelques hommes d'ombre. À commencer par la hiérarchie au sein de l'Église, dont aucun membre ne parle jamais. Il existerait au moins 3 rangs avant de devenir initié. Chaque rang apporte son lot de révélations et de privilèges. Pour progresser dans la hiérarchie, un seul moyen, verser d'importantes sommes d'argent à l'Église. Bah voyons. Au-delà de ce procédé contestable, tout à fait, l'Église exige... Oh, c'est pas facile à dire ça. L'Église exige également de récupérer les corps de ses membres après leur mort. Dans quel but ? Aucun responsable ne veut répondre à cette question. Mais bien des doutes sont permis lorsque l'on pense au concept de transformation et de renaissance véhiculé par l'Église. Autre rumeur persistante, l'Église financerait un programme de construction spatiale dont certains témoins prétendent d'avoir vu les résultats. Il s'agirait de vaisseaux funéraires de taille démesurée. Suite, page 94. Ah oui, et on se fait déjà pas mal à lire d'un coup. Là. Bon, allez. Donc, j'ai 2 points. Et on peut finir les capacités de mon arme. Ça, c'est cool. Voilà, ça, c'est génial. Et je garde mon petit point, comme d'hab, pour les portes. Allez, on se tire. Action. Quelle raison de vivre pouvez-vous trouver quand tout semble si désespéré ? Oula. Le docteur Cross avait des croyances, une grande foi. Maintenant, elle attend sa transformation pour renaître. Êtes-vous prêt à la suivre, monsieur Temple ? Oula, alors, toi tu vas douiller à mon avis. Ne craignez rien. Vous jouerez votre rôle très bientôt. Soyez le témoin du miracle de la foi ! Ah ouais, c'est ça que t'appelles la foi. Oh, c'est crâne. Ils sont prêts. Prenez-les. Ils sont à vous. Le Barjot. Très bien. Bon, bah écoute, hein. Désolé pour toi, man. Il est en vie ou pas, lui? Oh là, c'est crado. Donc là, faut aller à droite normalement. Bon, bah allons-y, hein. Oula, la musique. Pas super bon. Les petites bébêtes. Je les aime pas. Ah, elles sont trop speed. Elles vont venir vers moi. Je pense. Vous êtes en train de grimper là, les filles, ou pas? Ah, elles font chier. Elles vont me sauter dessus. Ah, c'est gavant. En plus, je peux pas courir là-dedans, là. J'ai les pieds qui collent à mort. Tu vas arriver d'où, toi? Tu vas rester à l'extérieur? Ouais. Je me sens un peu entouré. Un coffre ici. Un petit kit de soins. Hein. Voilà, attention, un ruminant. Ah, raté. Je m'en doutais. Recharge, vite, 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 vite. T'es où, toi? Oh la vache.
J'ai pas le temps de tirer. J'ai pas le temps de tirer. Oh punaise, vous me faites chier, vous me faites chier. Je peux pas donner de coup de bloc. Allez. Allez, on chasse comme ça. Comme ça, on va économiser un peu du plasma parce que... Où est-ce que vous êtes? Saleté. Putain de putain de putain, j'ai rien de temps de faire. Putain, non, putain, on va putain. J'ai même pas eu. Ah putain, je vais crever. Allez, on se recharge. Putain, c'est trop chaud. J'ai pas la bonne arme pour eux, c'est clair. Bordel de merde, de merde, de merde, de merde, de merde, 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 et merde. Allez, dans le dos, bien sûr, mais bien sûr. Ah putain, mais je tire comme une pénelle. Bon ben voilà, hein, c'est là qu'on utilise un des gros. Je suis dégoûté. Ah, il y a la clé de maintenant, ça c'est cool. Ouais, ouais, c'est crado. Oh là 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 là. Ah mais la stase, je me suis boosté en stase et je n'utilise pas, voilà, j'ai pas le réflexe. Alors, on va jeter un petit coup d'œil sur le décor encore. Ah oui, ah, là, c'est trippant. C'est le kiff, regardez-moi ça, c'est vraiment splendide. Je vous rappelle qu'on est sur la Xbox 360. C'est quand même vachement beau. Ça c'est quoi, c'est encore un truc à dire, ça, non ? Ouais. Et pop, 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 on n'a rien oublié du coup là. Ah, tiens, encore un corps. Bah oui, des thunes, je prends. Bon, ça a l'air d'être bon. Ah non, il y a un point de force là-bas. Oh là là, heureusement que je l'ai vu. Heureusement que je l'ai vu. C'est tout bon. On s'arrache. Et bim, bim, bim. Personne, personne là. Monsieur Clark, ça fait peur, en fait. Je dois vous parler. Je suis tout près de votre position. Et si vous voulez entendre ce que j'ai à vous dire, je peux tout vous expliquer. Tout ce qui s'est passé. Une fois que vous aurez les disques, je vous ouvrirai le poste de sécurité. Il faut qu'on parle. Faites vite. Un monsieur qui veut nous dire des trucs. Pas aller là. Ouais, non, je suis bête. Je vois où est-ce qu'on est arrivé. On a fait juste le tour. Il faut aller à droite. J'entends du bruit. Oula, j'ai pas le temps. Aïe, 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 aïe. C'est dégueulasse, hein. Ils vous mettent les trucs direct. Hop, ça c'est bon, c'est fait. Oula, salut toi. Hop là, j'ai bien limité, oui. Aïe, aïe.
ça. Ah, j'ai pas eu le temps. Ah, on a viré son bras, l'enfoiré. Oh là là, douche. Tu me donnes ton bras, toi, ou pas, là? C'est bon, je l'ai eu. Oh, d'ailleurs, c'est... Il était temps. Putain, tout ce que j'ai dépensé en bullets encore. Ah, ça surprend toujours, ça. Des thunes, cool. Et encore des thunes. Un peu de plasma. Bon, très bien, très bien, très bien. Très, très bien. Alors, ah oui, le passage, c'est là, mais c'est fermé. Clé de maintenance. Bah oui, je suis bête, j'ai la clé de maintenance. Et encore un ascenseur. Mais j'en ai dépensé un peu. Ok, ok, ok. On arrive là. C'est par derrière. Le système de survie du dortoir B est coupé. Il va falloir trouver un autre chemin dans le coin si tu veux atteindre la porte. Ah, ça va me recharger un peu. Il était temps. Ah, une sauvegarde. Je sauvegarde, ouais. Même si je trouve que j'étais pas pas vraiment très folichon là. Je vous avouerai que là, ouais. Petit speedouille là. Ah, c'est une horreur. C'est vraiment une horreur. Avec le cutter, plasma, c'est très très compliqué. Ouh, hop, 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 ça fait longtemps, ça fait longtemps. Que j'ai bien fait de sauvegarder encore. Allez, ah, tire dedans, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Ah, il vous fait bouger dans tous les sens, c'est chaud. Je suis pas dessus, je suis pas dessus, je vais crever. Oh, je l'ai eu, je l'ai eu. Oh là 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 là. Panique à bord. Panique à bord. Attends, il y avait un truc là. Du coup, je pouvais choper, non? Non, c'est moi qui ai affabulé. Ah, j'avais cru. Le passage est par là, mais bon. On va fouiller du coup. Ah, c'est celle que j'avais vue. Et un petit coffre. Oh, un kit de soin max. Génial. Ça, c'est sympa. Trop sympa. La petite récompense à la fin. Génial. Alors. Verrouillage débloqué. Ah bah c'est bien, donc on se barre. Rien de planqué au fait. Non. Non, non. Hop là. Propre, c'est net. Et 1700 boules là. En tout cas, c'était pas par ici. Dommage. On peut faire un tour, d'accord. Et là. Par ici. Dysfonctionnement des systèmes de climatisation. Environnement dangereux. Contactez un technicien. On essaie, c'est une zone sans air. Une
une zone sans air, ok. Et un strum. Allez, c'est pas les petits en plus. Il me crache dessus ou quoi là? Ok, ça a géré. Cool. Il y a un coffre. Oula, c'est quoi ça? Ah ah, d'accord. Dysfonctionnement des systèmes de climatisation. Allez, crève, crève! Environnement dangereux. Oh, il est contactez chiant. Un technicien. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes, ils sont plus résistants. Oula. Attention aux petites bêtes. Voilà, si ça passe. Ok, j'ai tout pris. Faut que j'aille par là. Oh, la vache. Je fais quoi? Je vais où maintenant? Où est-ce que j'ai... Dysfonctionnement des systèmes de climatisation. Vite. Aïe. Faut que je me barre. Contactez un technicien. Je vais où, bordel? Oh, je suis dans la merde. C'était pas par là. Barre-toi. Oh. Ouais, je suis mort. Merde. Ah. Je me suis planté de côté, bordel. Et en plus, à droite, il y avait une recharge d'oxygène, je crois bien. J'aurais dû y aller cash. J'ai été minable, navré. Bon, bah, je sais à quoi m'attendre en attendant. Ah. Je suis dégoûté. Entrée zone sans air. Vous êtes là déjà, ça je me souvenais. J'ai une chaise qui me gêne, bordel. Bon, ça passe. Il n'y a qu'un truc à récupérer. Ah, ils sont foirés. Et ouais, il y a un truc d'énergie, mais il y a aussi un enfoiré. C'est pas du bon côté, tombe ! Mais je vous jure, j'ai appuyé ! Oh ! Dégoûté. Ah oui, il y a les petits bestiaux là-haut. Mais recharge, oh putain de merde ! Ah, il commence à m'énerver, là. Il n'y en avait qu'un ? Tout à l'heure, il y en avait deux. Et il y a un truc à gauche aussi, là. Putain. Mais bute-le. Ah, c'est pas possible, mais c'est pas vrai. Et du coup, j'ai des petites bestioles en plus sur ma gueule. C'est fantastique, j'adore. Et voilà, je suis mort. Je suis allé trop vite. Ah! Pas vrai. Allez, mange-toi. Bon, hé, tu m'as pas chargé autant de temps tout à l'heure, là, qu'est-ce que tu me fais? Allez, bouge! Entrée zone sans air. Chut. Putain. Couché. C'est bon, t'es mort? Encore un gros strum hein, derrière. Et ouais. Oh, c'est bon, je l'ai niqué. Mais je veux prendre ça. Voilà. Allez.
toi, vas-y, apparaît. On va essayer de te faire disparaître le plus vite possible. Voilà. Toi, t'approches pas de moi, toi. Allez, apparaît, vite, vite. Pas dans le bide, pas dans le bide, pas dans le bide. Recharge déjà, c'est bien. Allez, le truc qui était derrière, ouais, c'est ça. Oh non, mais d'où il apparaît, lui? Je le savais plus, je le savais plus. J'avais oublié ce petit enfoiré. Donc là, on retourne en arrière, c'est bien ça. On est où? On est là. Ah oui, mais attends. Une porte ici. Et ouais, il y avait le point de force à choper. C'est bien ce qui me semblait. Et là aussi encore un truc. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Pour l'instant ça va. 27 secondes. C'est pas monstrueux. Et normalement, là, je peux aller me recharger. Voilà. On est zen, on est zen, on est zen. Tout va bien. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Sortie zone sans air. Voilà. Ah, va mieux. Ça va beaucoup mieux. Mais là, c'est des chiottes. Généralement, il y a des trucs sympas dedans. Ou alors des petites bêtes, attention. Et une fois, il y en avait plein qui étaient sortis des chiottes, ouais. Bon, d'autres trucs à se souvenir. Bah bien, on avance. C'est parfait. Ah, mais il m'aurait fait galérer ce passage quand même. Quelle bande d'enfoirés. J'hallucine. J'hallucine. Ah, une petite porte là quand même. Je pourrais peut-être aller voir vite fait. Ah oui, c'est une toilette dame en plus, j'ai l'impression, ouais, c'est ça. Attention aux petites bêtes qui sortent des chiottes. Hein. Toujours, toujours, toujours. J'ai l'impression qu'ils vont me faire le coup, là. En plus, je viens de me faire 3000 boules. Si c'est ça, je me barre. Hein. Ouais, ça va. Ils ont été soft. Ils ont été soft. Hein. Alors, bon, oui, c'est à gauche. Attends, c'est pas un coffre, là, au fond? Bah, si. Bah tiens. Allez. Marquez bien. Tout au fond. Qu'est-ce qu'on a à gauche? Voilà. Généralement, il n'arrive pas tout seul cela. C'est ce que je pensais. C'est tout. Oula, oula, oula. Je nettoie un peu le coin. Hein. Ouais. D'un seul coup, d'un seul, ça c'est bien. J'entends encore, j'entends encore, j'entends encore. Est-ce que c'est le truc là qui suinte ou alors est-ce qu'il y a encore une petite bestiole? Juste que c'est crado, c'est tout. Ok. Alors, de toute façon, faut aller par là. Ici, oui, j'y suis déjà allé ici. Aussi. Bon, allez, on va continuer. On va pas chercher.
stressant en fait, plus le fait de pas courir, enfin de pas pouvoir courir. Ok, et ici on a un établi. Il me semble que j'ai des points de force, j'en ai combien? 3, très bien. Le cutter, il y a juste la vitesse, ouais. Ça devrait gérer. L'air qu'on peut booster encore. Et du biostase, il a plus qu'un petit truc. Là, ma foi, on peut y aller à l'onf, en fait. Ok, bon, bah alors là, la stase, c'est bon. Juste de l'air ici, et mon cutter plasma, ouais. Allez, reste plus grand-chose à remplir, hein, c'est clair. Un petit coffre. Ouais. On dirait l'autre, tant pis. Et une sauvegarde, très bien. Et une petite pause pour moi, à tout de suite.